Bonjour Sagittaire, bienvenue à ma chaîne. Je vais faire votre lecture pour la nouvelle année 2020 et on va aller regarder ça en trois parties. Je vais commencer avec janvier à avril, ensuite on va regarder de mai à août et après ça de septembre à décembre. Ok? Alors on va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour vous en 2020. J'espère que vous allez bien. Que tout le monde va bien. On va entrer dans votre saison bientôt, dans quelques jours. Saison scorpion terminée presque. Et rétrograde de Mercure aussi. Quelques jours encore et ouf, faut pouvoir respirer un petit peu plus. Alors, allons voir les messages pour Sagittaire. Merci de vous abonner à ma chaîne. Je vous apprécie énormément. Merci aussi pour vos dons. J'ai mis le lien dans la boîte de description ainsi que le lien à mon compte Instagram. Et merci de partager et d'aimer les vidéos. Bon, les messages pour Sagittaire pour la première partie de l'année janvier à avril, s'il vous plaît. Message pour Sagittaire. Reine des épées. Deux des baguettes. Trois des baguettes. Baguette, en tout cas, c'est votre énergie ici. Quatre des pentacles. Bon. Il y a quelqu'un ici pendant cette période. N'oubliez pas que le temps est fluide, il n'y a pas vraiment de temps dans le tarot. Ça peut être déjà en train de se passer pour certains Sagittaires, d'autres ça s'en vient. Il y a une période d'attente ici, il y en a qui, d'entre vous, vous êtes en attente. Vous êtes en attente, premièrement, vous êtes en attente de décider qu'est-ce que vous voulez faire ou de quel façon vous voulez procéder. Vous êtes comme dans une fourche dans votre parcours présentement, OK? Vous êtes en attente. Vous êtes en attente pendant cette période de quelque chose que vous souhaitez faire entrer, OK? C'est quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Alors, vous êtes en attente de ça. Je vois énergie Gémeaux, je vois vos énergies aussi de Capricorne, peut-être, ou Taureau, ou Vierge. OK? Il y a quelqu'un aussi qui travaille beaucoup sur sa stabilité, sur son amour propre. Quelqu'un qui ne veut plus s'investir dans une situation. Ils attendent. Quelqu'un est en attente ici, veut arrêter de s'investir là, pour le moment. À ce moment-là. Quelqu'un qui est sur ses gardes, mais qui reste ouvert. OK, je vais aller regarder d'autres cartes ici. On a le 3 des pentacles. Encore énergie de terre. Ici, bon partenariat. Le pape. Vous allez bien vraiment avec cette personne. Il y a quelqu'un avec qui vous allez vraiment bien.
On a le valet des baguettes. Et on a le 10 des baguettes. Beaucoup de votre énergie dans votre lecture, Sagittaire. Okay, vous êtes partout là. Là, de ce que je peux voir, vous êtes vraiment en attente là, du partenaire parfait, de la personne que vous souhaitez. C'est vraiment être, vous gardez vraiment l'idée de le partenaire parfait, la personne que ça va être, avec qui ça va cliquer, avec qui ça va être très facile. Quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui ne se complique pas la vie, c'est ça que vous voulez ici. Quelqu'un qui s'en fait pas avec les petites choses. Et vous êtes plusieurs Sagittaires, vous êtes en attente de ça. Ça, c'est vraiment vos attentes du partenaire parfait. Ou vous attendez votre partenaire parfait selon vos attentes ici. Mais vous êtes en attente beaucoup. Puis c'est pas nécessairement vous attendez quelqu'un ou quelque chose. Je pense que vous attendez qu'une réponse vous vienne sur comment avancer. Vous n'êtes pas sûr de comment avancer. Alors, il y a une prise de décision qui est difficile ici pour certaines personnes. Parce que peut-être que la personne qui est dans votre vie, peut-être là, à ce moment-là, début de l'année, c'est quelqu'un que vous avez de la difficulté à décider si vous voulez avancer avec. OK. Alors, vous allez avoir une décision à prendre. Mais il y a quelqu'un de vraiment très intéressé à vous ici et va vouloir vous offrir quelque chose ou c'est quelqu'un qui est déjà là dans votre vie. Aussi, ça peut avoir rapport avec un mariage déjà existant, une famille, des enfants. Alors, la situation peut inclure un enfant. Alors, c'est difficile de prendre des décisions lorsqu'il y a une famille ou il y a des enfants qui sont impliqués dans les histoires. Alors, ça peut être aussi une difficulté pour décider comment avancer ici. Ça peut avoir rapport avec des enfants. Est-ce qu'avec le valet des baguettes, ça peut aussi, les valets, c'est une c'est plus soit les gens plus jeunes, ça peut être des enfants, ça peut être un messager seulement, c'est quelque chose de petit. Alors, moi, lorsque je vois bon partenariat et avec le pape, ça me dit un mariage possiblement ici ou une famille avec, ça implique un enfant. OK, peut-être l'enfant est de signe de feu, peut-être, mais c'est votre énergie vraiment ici dans la lecture. OK? Alors, ça, c'est pour la deuxième partie de l'année. Une décision à prendre et de l'attente, à savoir exactement comment avancer. On va aller regarder la deuxième partie de l'année pour vous, Sagittaire. La deuxième partie de l'année. Qu'est-ce qui se passe pour vous? La deuxième partie de l'année, donc de mai à août, l'été. Trois des coupes. Huit des coupes. Quatre des coupes. Et le valet encore des baguettes. Mmh.
J'ai presque peur de dire qu'est-ce que je vois. J'ai presque peur de dire qu'est-ce que je vois pour vrai. Mais il y a plusieurs messages. Mais le premier message... Parce que d'habitude, moi, le 3 des coupes, c'est vraiment célébration, fêter avec les amis. Alors, ça peut être un message, c'est que plusieurs personnes rendues à l'été, vous allez fêter beaucoup, ça va être la fun, vous allez sortir. Bon. Mais un autre message, ça m'a dit, je veux dire, la carte tout seul, mais je le sais qu'il y en a pour d'autres pour qui le 3 des coupes veut dire une situation où est-ce qu'il y a trois personnes de concernées. Alors, quelqu'un qui aime deux personnes, quelqu'un qui a un entretien avec deux personnes. Possiblement qu'on a laissé cette situation de trois personnes. OK. Oh, mon Dieu Seigneur, c'est vraiment que c'est... Votre été, là. Wouhou! Il y aura beaucoup d'incompréhension. Il y aura vraiment... Je pense qu'il y en a certaines personnes qui ne voudront plus jamais retourner dans cette situation-là. Vous allez vraiment quitter ça. Il n'y aura rien à faire. On va vous demander peut-être pardon. On va vous offrir. On va essayer de rendre ça correct parce qu'il y a aussi un enfant d'impliqué. Alors, on ne veut pas non plus... Ça, c'est un message, c'est probablement pour un petit groupe ici. Puis là, je veux pas que vous partez en peur parce que c'est vraiment un message. Alors, la personne ne voudra pas, soit vous ou votre personne, ne voudra pas retourner là-dedans. Donc, il n'y aura presque rien à faire. Là. Il y aura... Regardez, là, la personne essaie, puis là, non, je ne veux rien savoir. Alors, il y a peut-être un enfant ici, là, d'impliqué. Comme je dis, là, le valet des baguettes revient. J'ai vraiment l'impression que c'est une situation familiale ici pour certains, un petit groupe. C'est un message pour certaines personnes. On quitte une situation où est-ce qu'on on s'est investi énormément. On veut s'en aller vers du mieux, on est tanné. On a su que... Je sais pas. C'est ce que je vois. À part ça, je veux dire, si vous êtes célibataire à ce moment-là... Oui, vous allez avoir un très bel été, là. Vous allez fêter. Je vais aller regarder d'autres messages. C'est vraiment un message pour un certain groupe ici, là. Il fallait qu'il passe ici. Six des pentacles. Le pendu. Les amoureux. Le 8 des pentacles. Bon, je pense que c'est vraiment la même histoire. La personne veut partager, veut s'excuser, veut vous donner tout. Cette personne, en fait, à part, ben, je veux dire, l'histoire là, de peut-être qu'il y avait une troisième personne, c'est que la personne, regardez, cette personne veut vraiment vous donner tout, là, veut tout faire, va vouloir tout faire pour... ne pas vous perdre. Et je pense qu'il y aura une période de transformation ici. Ça va faire transformer la connexion. Ça va faire transformer le couple. Si c'est un couple là, ici, là. J'aimerais vraiment savoir vos commentaires parce que le message, on dirait qu'il est pour un groupe. Le collectif de Sagittaire ici. Un message important. Alors, la personne... peut-être va pardonner, va essayer de pardonner parce que c'est vraiment une très belle connexion, mais il y aura du travail à faire des deux côtés. Je vois énergie Gémeaux. Je vois qu'il y a vraiment trois personnes. C'est peut-être que c'est pas, je veux pas dire que c'est nécessairement une question de tromperie ici. Je parle qu'il y a quelqu'un qui aime deux personnes, a peut-être la difficulté à décider entre deux personnes. Il y a des enfants. Peut-être que cette personne est en période de séparation, puis ça fait souffrir les enfants. Alors, on ne veut pas vraiment
continuer avec vous parce qu'il y a des enfants, puis c'est ça. T'sais, ça peut être quelque chose comme ça, là. C'est pas nécessairement une tromperie. Mais s'il y a trois personnes, ça peut être l'ex-femme avec vous, puis avec des enfants. Alors, ça peut être ou vice-versa, en tout cas. Ça peut être une histoire comme ça. Il va y avoir ici là, quelqu'un qui veut vraiment se donner, qui est très généreux. Quelqu'un de très, très généreux ici, avec les gens qu'il aime. Et on voit une période de latence, de transformation. Et avec les amoureux et le 8 de pentacle, c'est vraiment un travail de couple. C'est vraiment une négociation. C'est de décider ensemble. Écoute, on va faire travailler le tout. C'est une histoire de famille. C'est moi, je suis prêt ou prête ou pas. Ça va prendre la communication. Et ça, ça ne marchera pas. OK? Il faut que ça communique. Il faut communiquer. Alors, pour les mois d'été, là, c'est ça, Sagittaire. C'est ça. Il y a beaucoup de messages, hein? Vraiment. Il va falloir que vous reculiez la vidéo. Je ne me souviens même pas de tout ce que j'ai dit. OK. Alors, ouais, les messages passent par moi. C'est pas moi, là, ça. Là, c'est pas moi. Moi, je lis les cartes. Je lis les énergies. That's it. Next, on va aller regarder les mois suivants. Alors, les derniers mois, septembre et décembre. Dernière partie de l'année. Pour Sagittaire. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe pour vous, Sagittaire? N'oubliez pas que c'est pour un collectif. Puis, on dirait que le message, là, pour de mai à août, là, c'est pour un petit groupe. Je ne sais pas. D'autres messages pour Sagittaire. Quatre des baguettes. Alors, wow! Votre énergie, puis un instant ici. Okay. J'aime bien aller voir, chercher les cartes. Valet des épées. Valet des épées. Huit des coupes. Encore. Message répété ici. Ha! On dirait que le message se répète pour vrai. 10 des épées. Alors, avec 4 des baguettes, c'est vraiment une situation souhaitée. Une situation souhaitée. C'est une carte de mariage, en fait. C'est plein de passion, mais ça ne va pas nécessairement dire mariage, mais ça va être un nouveau début, un nouvel engagement. Nouvel engagement, c'est très beau, OK? Avec avec le... Il se passe vraiment quelque chose avec vous, Sagittaire, l'année prochaine. Je veux pas vous décourager. OK. Alors, soit vous ou votre personne, là, vous surveillez quelqu'un ou il y a quelqu'un qui vous surveille vraiment. Quelqu'un qui veut en savoir plus sur vous, quelqu'un qui est prêt à quitter une situation pour aller vers vous possiblement, quelqu'un qui est peut-être avec quelqu'un, mais qui vous surveille, c'est quelqu'un qui vous regarde. Alors, c'est pour ça le 3 des coupes tantôt, là. C'est une situation à 3 personnes ici, j'ai comme vraiment l'impression de ça. Quelqu'un qui veut quitter une situation ou mettre fin à un cycle ou mettre fin à une situation qui nuit ou qui inquiète ou qui est vraiment déchirante. Alors, quitter une situation, c'est en aller vers du mieux. Mais il y a quelqu'un qui vous surveille. Mais il y a de l'amour ici. Regardez la situation qui pourrait s'en venir. Qui pourrait s'en venir après les mois d'hiver, après les mois d'été, là. Étoile. C'est tellement une belle carte, c'est paisible, c'est... Trois des baguettes. Pareil comme au début de la lecture, trois des baguettes, une attente pour quelque chose souhaité. Alors, plusieurs personnes, vous êtes déçues d'une situation... Vous êtes déçu d'une situation que vous avez pensé que c'est quelque chose que vous avez souhaité.
quatre des pentacles, quatre de terre. Alors, c'est encore, comme on a vu tantôt, c'est un message répété. Vous ne voulez plus vous investir. Donc, vous êtes investi. Regardez, ils sont sortis presque un après l'autre dans le début. Ils étaient dans la même lecture. OK? Alors, vous attendez vraiment qu'est-ce que vous avez souhaité, là, vous l'attendez vraiment ici. Vous attendez ça. Vous ne voulez plus vous investir. Vous attendez pas nécessairement, vous ne faites rien d'autre qu'attendre, mais vous ne voulez plus vous investir. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà mis dedans? S'il y a quelque chose qui en sort, OK, sinon, bye-bye. Vous allez vous en départir ici. OK? Alors, vous ne voulez plus vous investir, vous voulez vous investir plus dans vous ou les gens que vous aimez, dans votre amour propre. Et vous allez laisser les choses arriver dans le temps comme elles sont supposées d'arriver. Qu'est-ce que vous souhaitez ici, là? C'est l'étoile. C'est un amour paisible et souhaité avec cette personne, un amour partagé. Et on a l'amour, le roi des coupes. On finit l'année avec ça. C'est vraiment une carte d'amour, ça, le roi des coupes, ça, c'est... C'est quelqu'un qui déverse leur amour sur vous ou vous sur eux. Vous avez énormément. Il y a beaucoup d'amour ici qui s'en vient. OK? Vraiment. Alors, vous attendez un peu. Vous ne voulez plus vous investir et en faisant ça, ça va faire entrer. Vous allez faire de la place, en fait. Quand il y a une fin, là, comme ça, là, ça fait entrer du nouveau. OK? Ça fait entrer du nouveau. C'est super beau pour vous, Sagittaire. Beaucoup d'action en 2020. Beaucoup d'action. Alors, peut-être prendre des moments pour vous reposer un peu aussi, penser à vous pendant ce temps-là. Alors, c'est ça pour 2020. Je vais tirer une dernière carte oracle pour voir l'énergie en gros, en général, pour vous. Voir l'énergie en général pour 2020 pour Sagittaire. By the book. Alors, vous voulez juste vraiment plus donner d'investir, vous voulez juste avancer ici, faire vos choses, ne plus vivre dans le rêve et prendre vos responsabilités. Vous allez focusser sur votre travail et vos responsabilités ici. Ouais, regardez. Mais en même temps, on a 11 qui est le chiffre âme-sœur pour moi, là. Je pense que la personne qui est dans votre connexion peut être, ou la personne qui s'en vient, peut être votre âme-sœur, en fait, ou un âme-sœur. Hein? On en a peut-être plusieurs dans notre vie aussi, là. Des gens qui viennent nous aider. OK. Je vais vous tirer un dernier message de mon livre de réponse de l'amour pour Sagittaire pour 2020. Dernier message pour Sagittaire. Put all your cards on the table. Mettez toutes vos cartes sur la table. Alors, soyez le plus honnête possible. Le 4 des coupes est sorti beaucoup. Ça, c'est en rapport avec pas vouloir communiquer, qu'est-ce qu'on veut et vraiment être astiqué sur nos pensées fixes. OK? Alors, mettez toutes vos cartes sur la table. Posez des questions. C'est quoi vos attentes? Vos attentes à vous, les attentes de l'autre. Ça pourrait toujours aider. OK? Alors, c'est tout pour vous pour 2020, Sagittaire. Merci beaucoup d'être là. Merci d'aimer, partager et de vous abonner. Et on se revoit très bientôt. À la prochaine. Bye-bye.